L'homme le plus rapide de l'histoire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre est donc un Suisse, Laurent Bourgnon. Il a passé la ligne d'arrivée de la route du Rhum il y a une demi-heure à peine. 14 jours de mer et une image. Maryse Burgo. Un grand homme sur un grand bateau, c'est Laurent Bourgnon et son prima gaz. Il est 14h30 en Guadeloupe, 19h30 en France. La voile dressée bien haute vers Pointe-à-Pitre, Bourgnon franchit dans un calme olympien la ligne d'arrivée de la route du Rhum. Et déjà, on se précipite pour féliciter le vainqueur, tout ce qu'il y a de plus détendu. Bourgnon, escorté comme il se doit par une noriade de bateaux, Bourgnon qui vient d'avaler 7000 km en 14 jours, 6 heures et 30 minutes. Bourgnon qui vient donc de battre le record détenu jusqu'à présent par Florence Artaud.